Alors, vous pratiquez le vélo à Sarreguemines pour quel type de trajet ? Ben, moi, j'ai encore 17 ans, donc j'ai pas encore de permis. Donc, le vélo, ça me sert pour pratiquement tous les trajets, quoi. Vu que j'habite pas loin de la ville, quoi, le vélo, ça reste un super moyen quand même. Est-ce que vous vous sentez en sécurité sur les routes ? Des fois, on peut avoir le sentiment qu'on n'est pas vraiment en sécurité, mais c'est vraiment dans des cas rares, quand les gens commencent à être un petit peu... Quand on s'arrête à un feu rouge, par exemple, qu'on démarre pas tout de suite, ben là, ils vont s'énerver. Mais sinon, en règle générale, ça fonctionne très bien. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici à Sarreguemines ? Je me sens en sécurité, mais par contre, je pense que les automobilistes ne respectent pas tellement les règles des fois. Quand je marche en ville, je vois parfois des personnes qui roulent en vélo et qui viennent vers moi alors qu'ils sont dans un sens interdit. Alors des choses comme ça, je me dis, tiens, si toi tu roulais maintenant, qu'est-ce qui se passerait ? On pourrait se cogner ou je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que la ville est assez bien équipée en pistes cyclables ? Je pense que Sarreguemines a l'avantage d'être en bord de Sarre, donc avoir le chemin de halage. Après, ne le pratiquant pas, je ne sais pas si les installations en centre-ville sont vraiment adaptées, puisque malheureusement, je ne le pratique pas ici. Les pistes sont bien, on n'a pas de problème, mais le problème, c'est l'incivilité des gens qui sont en voiture, quoi. Bah, les pistes cyclables, ils ont bien emménagé... aménagé autour de Sarreguemines et même à Sarreguemines, quoi. Donc ouais, à ce niveau-là, on est vraiment bien à Sarreguemines, ouais. Oui, le problème sur Sarreguemines, c'est sûrement le manque, l'absence de pistes cyclables. Hein. En ville, il n'y a rien. Hein. Le moyen le plus sûr de faire du vélo sur Sarreguemines, c'est effectivement le long de la Sarre. Mais en ville, c'est pas très sécurisant, je pense. Et encore, hein, c'est pas une grande ville, hein, comparé à Paris ou d'autres endroits où c'est bien plus dangereux. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, alors... Super, vive le Tour de France.